Présentation officielle du nouveau showroom de Sada Motors Congo Pointe-Noire, filiale de la société Tractafrique. Nouveau concessionnaire auto racheté par le groupe Imex, Sada Holding et sa branche Sada Motors se placent sur le marché africain comme une référence en matière de vente de voitures, avec des représentations en RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon et bientôt en Côte d'Ivoire. Ce département sera chargé de proposer aux consommateurs automobiles de notre beau pays un produit approprié à moindre coût. Ce produit sera dédié non seulement aux personnes morales, comme cela se pratique actuellement, mais aussi aux personnes physiques, bancables et non bancables. Notre objectif est de voir nos concitoyens acquérir des véhicules neufs, moins polluants, grâce à ce nouveau produit qui est déjà disponible auprès de nos commerciaux et des chefs de vente. Adon Dibouilou, préfet du département du Kwilu, invité à dévoiler les véhicules exposés, n'a pas caché sa satisfaction de voir un tel investissement réalisé par un compatriote. Avoir repris les structures de Tractafrique, qui naguère étaient gérées par les Français, n'est-ce pas, et que le Congolais qu'il est, donc fils du pays, reprend ses activités là, elle nous donne du baume au cœur. Nombreux des Congolais comme lui doivent suivre ce modèle-là pour se lancer dans l'investissement et dans le développement des structures, mais également permettre aux jeunes autres Congolais d'avoir de l'emploi. Pour sa part, le président directeur général du groupe Imex, racheteur de la filiale auto de Tractafrique, fixe les ambitions. Le président de la République l'a toujours dit, nous a toujours demandé d'être prêt aux grands défis. Et voilà pourquoi vous voyez qu'on croit en notre pays, on croit aux potentialités de ce pays et à la capacité de dépasser le plus dur par nos frères congolais. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons eu l'occasion de reprendre la partie motors de ce groupe, nous n'avons pas hésité, parce que le marché y est. Quitte à nous de travailler, quitte à nous d'impulser une nouvelle dynamique dans le secteur, parce que le secteur automobile, c'est un grand secteur, c'est un secteur encore, il est grand, il est vierge, donc c'est une liste très importante. Notons qu'après l'inauguration du showroom de Pointe-Noire, le tour reviendra à Brazzaville d'abriter la même activité qui pourrait, avec une bonne politique gouvernementale dont l'accompagnement des entreprises, booster l'environnement économique congolais fragilisé par une double crise financière et sanitaire.